Bonjour à tous, et c'est Diffus. Et c'est parti pour continuer la deuxième session de StarCraft 2 Legacy of the Void avec la suite des missions sur Shakuras. Et je suppose que là, c'est la mission pour détruire la planète. Au moins les préparatifs. La décision ne fut pas facile à prendre, mais je préfère voir Shakuras détruite que submergée par les ergues d'Amon. Nous avons beaucoup à planifier, Hiérarque. Ah, c'est génial, j'avais pas vu la signature terrestre, 50 millions de zergues. Bordel de merde. Ça fait quand même beaucoup. Pierre d'initial activé, donc je suppose qu'on va devoir utiliser ça pour tout détruire. Nouvelles unités, nouvelles unités. Donc du coup, je pense que c'est la dernière mission qu'on fera sur Shakuras. Alors, réussir à mission 1, tac tac, détruire toutes les pierres zénitales. C'est pas les pierres génitales, hein, c'est les pierres zénitales, c'est un cheveu sur la langue. Désolé, je me moque des prononciations, mais bon, c'est comme ça. Au cours des 10 premières minutes dans la mission machin, rester jusqu'à ce que 1,8 milliard de zerg infestent la planète dans la mission de sacrifier. Je sais pas si on pourra faire les deux en même temps. Au pire, de toute façon, ceux que je réussirai pas, je ferai en off derrière, mais je me demande si on peut pas... Si c'est pas... Enfin... Ça colle pas beaucoup, quoi. Ça se trouve, en fait, plus on tue de pierre, plus on détruit de pierres, plus il y a des zergs qui y arrivent. Donc dans tous les cas, il y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'y aller. Dites-moi, Vorazun, comment allons-nous détruire votre monde? Le brisson basique du temple Zelnaga peut être mis en surcharge, ce qui enverra un pic d'énergie dans le noyau de la planète. Avec une charge suffisante, la planète se désintégrera. Amon ne sourira pas mon monde. Je réfléchis à cette possibilité. La remettez-vous en question? Non. Le temps que j'ai passé ici m'a rappelé le courage de votre peuple et la nécessité de nous battre. Si nous devons souffrir, Kamon souffre aussi. Nous attirons autant d'hybrides et de zergs d'Amon que possible à travers le temple. Nous surchargerons le temple et nous ne prendrons la fuite que quand les unités que nous détruirons seront assez nombreuses pour l'affaiblir. Vous désirez lui infliger une blessure profonde? C'est ambitieux, mais nous ne pouvons risquer les armées nécessaires pour accomplir une telle chose. Ne vous occupez pas de ça, matriarche. J'ai beaucoup appris des Templiers Noirs. En gros, on va attaquer comme des grosses putes. En d'autres termes, nous saurons nous dissimuler dans l'ombre. Bon, c'est parti pour un temps de chargement de l'infini, hein. Enfin, j'espère qu'il sera pas trop infini pour le coup. Crée une extension à un nouvel emplacement riche en ressources vous permet d'accélérer la production d'unités et de constituer une meilleure défense. Ouais, sauf que là, je pense qu'il nous fera plus une meilleure attaque qu'une meilleure défense. Voilà, voilà. Et hop là, donc c'est parti, on continue. Les énergies du temple sont régulées par trois pierres zénitales. Une fois que nous les aurons détruites, il deviendra possible de surcharger le temple. En attendant leur destruction, nous devons défendre le temple face aux zergs et à leurs maîtres hybrides. Les Nerazim utilisent les monolithes Kedarin depuis longtemps pour protéger nos terres. Je vois que votre forge Faz en connaît les usages. En effet, matriarche. Les monolithes sont assez redoutables et leur portée de tir est considérable. Il devrait s'avérer prépondérant dans notre système de défense. Le moment est arrivé. Commençons. Oh putain, on va devoir s'attaquer au... au truc de siège zerg là. Allez hop, go go go. 25%, non. 75, ah oui, du coup, pour le début, c'est pas vraiment top en fait. Là, ma connerie. Les pierres zénitales seront détruites. Mieux cela vaudra pour nous. D'accord. Les zergs ne vont pas tarder à envahir la zone du temple. Du coup... Là, il y a défense. Les Templiers Noirs peuvent se faufiler entre les ennemis et détruire les pierres en cas de besoin. Oui, ou détruire les ennemis carrément. Allez hop, 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 allez hop. Oui, tout ça, par contre, pour le coup, va falloir accélérer la cadence. Parce que là, je sens que je vais me faire attaquer de tous les côtés. Et les trucs de défense... Quand vous attaquerez les pierres zénitales, leur destruction peut rendre l'énergie qu'elles contiennent très volatile. Merci de me prévenir que maintenant, pile quand j'envoie mes Templiers. Bon, du coup... Ah, ah. Non, pas encore. Petit fils. Pas toutes les choses en même temps. Allez hop, ça, ça. Vous n'avez pas assez de minerais. Si ça rend les énergies très volatiles, je me demande si ça vaut vraiment le coup de tout détruire maintenant. Et quand ça se rassemble. Bon, on voit vers où ils attaquent, déjà.
Je suis la lame froid. Ah merde, putain, vite, on continue à produire, Perds pas de temps. Les berges se massent au sud-ouest en vue d'une attaque. Guerrier, activez vos lames. Hop là. Faut un chargeur de bouclier. Chargeur de bouclier que je trouve qui est quand même pas mal hein, pour le coup. Ouais, un chargeur de bouclier de chaque côté du truc. Comme ça au moins, ça peut vite le charger. Toi tu continues à produire, ne perds pas le nord. Ah là là, ça va être chiant ça, faudra se dépêcher pour... Zerg sur Jakuras, War Jail du Merge. Attends, il en faut combien? Au fait... Une heure plus tard. Au fait, résister jusqu'à ce que 1,8 milliard de Zerg infeste la planète dans la mission. Je sais pas si la mission se termine qu'on aura détruit les trois cailloux. Toi, attaque ça, ouais. C'est bleu. Ok. Toi, du coup, tu te mets comme ça aussi. Putain, à continuer à produire, saloperie. Ça, niveau 2. Il y a d'autres ressources dans les environs. Nous pourrions construire ouais, je vois ça. Nexus à proximité afin je sais. Leur récolte. Et pour l'instant, je profite de celui-là à fond. Parce que pour ça, pour un second Nexus, faut 400 de trucs. Donc du coup, c'est pour rien. Du coup, je pense que je vais profiter pour nettoyer les... C'est quoi qui fait ce bruit-là, c'est ça? D'accord. Attaque. Non, toi tu continues à produire ça. Toi, par là-bas, et tu vas commencer la construction du prochain Nexus. Après, tu reviendras ici. C'est bon, il va le faire. À lourd. Par contre, il faudrait prévoir un second pylône ici. Ça, les chargeurs de boucliers font leur boulot et en plus ils sont assez bien rechargés. Oula, par contre. Fuck. Vous n'avez pas assez de minerais. C'était pas prévu ça? Non, détruisez pas tout. Détruisez pas tout. Je l'avais complètement oublié. Oh le con. Vous trois. Non, il y en a un en trop. Toi, t'arriveras bientôt. Tac, toi tu viens ici. Alors, hop, 300. Ah putain, ok d'accord. Du coup. Bon, allez, on va commencer déjà par faire ça. Ok d'accord, ils sont ultra puissants. Ils sont fait ouvrir les teaserglings. Ok, et ensuite vous allez, bah du coup on pouvait pas nettoyer celui-là, donc vous devez rester ici. Ouais, pour l'instant j'y vais petit peu. Donc j'ai encore à peu près, pour aller, on va dire 5 minutes pour réussir, pour réunir une armée suffisante pour démonter la race aux ennemis. Toi tu seras le deuxième Nexus, et vous deux, vous êtes la troisième truc. Allez hop. Est-ce que j'ai assez pour faire... Ah, j'ai assez. Tac. Non, pas parce que du coup, faut quand même que mes unités sortent. Du coup, on va te mettre là, ici. Allez hop. Tac, et toi, on va te mettre ici. Et du coup, on va te mettre ça... Ici, allez hop. Comme ça, j'aurai assez de trucs pour me défendre. Ouais, c'est un peu bordélique là pour le coup, j'ai pas trop réfléchi à comment ouais, à comment installer tout ça. Ouh, c'était pas prévu ça. Apparemment, le monolithe se défend super bien. Donc du coup, on en profite. Donc, tu fais ça. Et toi? Voilà, en plus tu te boostes toi-même, ça c'est chouette. Tac. Tanis. Nos observateurs mentionnent qu'un grand nombre de Zerg s'est déversé sur chaque race. Ah, c'est qu'un détail. Pourtant, pas un seul hybride en vue. Amon met notre détermination à l'épreuve. Mais non, faut pas être parano. Allô. Et du coup, allez, vous allez détruire le premier pour voir ce qui se passe quand même, parce que faut quand même tester. Ah, ça fait des tempêtes psioniques. Oh oh, par contre. Veuillez vous téléporter d'urgence ici. Défendre votre truc. Est-ce qu'ils peuvent passer? Oui, ils peuvent passer, c'est bon. Ok. Donc même si je suis bloqué comme un gros gueudin,
mes unités peuvent passer. Ça, c'est pas mal, ça. Toi, du coup, alors, une petite jolie tourelle. Voilà. Tac. Tac. J'ai détruit. Je l'ai détruit. Cassez-vous. Les ergues fondent sur le temple depuis l'allée sud-est. Ah, protégez-le de votre vie. Vous n'avez pas assez de minerais. Toi, tu vas faire un berge, j'ai pas assez. Je suis la voix des ombres. Oh, comment il se la pète. Hop là, tu fais ça, toi. Toi, tu continues à produire des ouvriers pour ta gueule. Oh, ça va, c'est des petits trucs. Regarde, bleu. Ils ne savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Point, point, point. Toi, tu continues à en produire. Toi, 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pas assez de minerais. Merde. Du coup, vous ramenez tout ça. Et comme ça, vous continuez à produire. Alors. Ah, c'est en plus, j'ai hésité à faire ce let's play pour une seule raison en fait. C'est parce que, en général, moi je prends mon temps dans les jeux de stratégie. Or là, vu que c'est une vidéo, du coup, je suis en mode vite, faut que je me dépêche, faut que ce soit trop lent. Les ergues lancent une attaque depuis les deux côtés du temple. Oh, ça va, si c'est des petits trucs. Ouais, c'est des petits trucs, ça va, on les gère avec les Templiers Noirs. Je sais pas pourquoi je me suis inquiété. Du coup, il y en a deux en production, on en refait deux. Tac, c'est bon, pour l'instant, on a un truc assez viable en question défense. Nice, bleu. Et... t'es cassé. Voilà, par contre, on va avoir besoin... Attends, toi tu vas faire ça. Voilà. Du coup, on va pouvoir faire un monolithe. Ah, le monolithe au marge, quoi. Voilà, ça tu reviens ici. 8 minutes, non, je vais me dépêcher pour le coup. Allez détruire ça, les mecs. Ah, du coup, je peux booster ma production à fond. Regardez. Putain, la production de malade. Zion. Ah, j'adore ce sort. Ah bah ok, ça finit. Comment avoir une économie viable en pas beaucoup de temps? Bah IT fils. Ok, vous par contre, vous allez attaquer ce truc là. Je sais pas si j'ai bien fait de détruire ça maintenant. Bah vous détruisez ça et ensuite vous revenez à la base. Voilà, et cassez-vous vite. Du coup tac. Allez go. Voilà, détruisez la connerie. Allez, j'ai encore 50 minutes pour détruire le truc. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez hop, on continue à faire la défense. Ah, c'est bon ça pour l'instant, on se démerde bien là. Tac, toi, tu vas pouvoir faire ça. Merde, du coup, à cause du fait que c'est bougé là. Attends, tac, tac. Tac. Allez, va-t'en, on se casse. Ok, donc maintenant faut attendre que ça s'accumule. Ok, j'ai réussi déjà un haut fait. Enfin, ouais, un succès. Continue à produire. Vous, du coup, c'est parti pour mode défense. Donc, ça, les mecs, vous allez venir ici pour défendre, vous. Toi, tu vas faire un protection, tout ça. On va passer ici. Surcharger le temple, en fait. Ouais, le temple de Zenaga pour être surchargé une fois les préparatifs terminés. Donc, du coup, faut attendre qu'il y ait beaucoup de gens avant de lancer le truc. Bon, ça, niveau protection, j'ai pas trop à me plaindre. Mais non, c'est dans la tête ça. Puis on a un petit chargement de bouclier, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez hop, on va s'approprier toute la zone. Par contre, j'aime pas ça, c'est s'ils ont des unités volantes, c'est-à-dire qu'on va pas tarder à en avoir sur la gueule. Alors en attendant. Cette technique. Ouais. Ils transportent des unités terrestres
Détruisez ces dominants, vite! Il y a des pylônes supplémentaires. Ah ok, d'accord, ça c'est un, y a un pont qui est détruit ici. Attends, du coup, s'ils essayent de passer par là, on va essayer de les accueillir comme il se doit. Du coup, tac, j'ai pas... Faut que je me donne une sonde de... 3, 4, 5, ok, j'ai ce qu'il me faut. Regardez, ouais, ils sont en train de les charger et tout. Allez hop, go. Bon, ça, si c'est juste ça. Regardez, je tiens quand même pas mal, hein, pour le coup. Mais en même temps, après, c'est en normal, donc c'est vrai que la difficulté n'est pas très énorme non plus. Oula, ok. C'est vrai que niveau protection, là, c'est pas vraiment le pied. Tac. Tu reviens ici. Tu donnes ton cristaux et tu viens ici. Alors. Nos données indiquent qu'il y a près d'un demi-milliard de zers sur chaque race. Et tous convergent vers ce temple. Ouais, et nous on en veut... Oh, comment je t'ai stoppé dans ton truc. Et nous on en veut 1,8 milliard, ok. Les Templiers tiendront le choc. Ah, gros. Par contre, oula, toi t'as pris des coups, toi. Comme quoi, ça suffit pas. Du coup, toi t'as la longue distance, toi, ça c'est bien. Ah là, on met les bouchées doubles à niveau défense, c'est parti, on rigole plus. Voilà. Quoi, quelles sont eux? Ah, ils ont tiré la petite bestiole. Oula, tout, merde. C'était pas prévu. Go, tac. C'est vrai que j'ai pas renforcé assez bien la défense. J'ai totalement pas du tout bien renforcé mes défenses, moi. Du coup, attends, la petite sonde, ouais, c'est bon, la petite sonde, je sais pas si c'est elle qui s'est fait attaquer, mais... Ok, donc, ça c'est quoi ça? Monolithe, d'accord. Attends, tac. Terminée. Ça, on va mettre ça ici. Si je mets un bouclier ici, ça rechargera. Ok, on va mettre un bouclier ici. On va surcharger nos défenses. Les mecs, on a besoin de vous ici. Voilà. Tout ça, ils sont en train de se transformer, ça c'est bien. Alors, putain, les trucs de défense, quoi. Bon, ça va, ça. Si c'est que ça pour l'instant, on va pas dire que c'est super grave. Alors. Donc là, ça c'est une bonne... Pour l'instant, la défense, là, commence à ressembler à quelque chose. Ça c'est chouette. Tac. Attends, tac. Voilà. Toi, par contre, tu vas passer ici. J'aimerais pas que tu te retrouves coincé derrière. Appeler. Bon, ça, on leur pète un peu le cul pour l'instant. Ouh là 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 là. Ouh, ils attaquent par lui. Ouh. Ok. Du coup, viens dédéfendre. Oui, c'est totalement French ce que je viens de dire. Alors. On continue la défense, hein, vous inquiétez pas. Tac 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 tac, qu'est-ce que je voulais faire comme défense, moi? Ah oui. Merde, j'ai pas assez de place. Bon, tant pis. Voilà. Du coup, on va mettre un autre chargeur de bouclier. Bon, ça, on arrive à résister, pour la plupart. Ah, on perd quand même des unités, hein, mais bon, après, s'ils se mettent en devant et tout, c'est normal. Attends, ça c'est que toutes les portes de transfert, d'accord. Donc ça, niveau 3. Du coup... Allez hop. Voilà, j'adore ce... j'adore cette touche. Vive les trucs de transfert des Protoss. Par contre, est-ce que tu pourrais faire plus de pylônes? Non, t'es ici pour le coup, tu vas faire plus de pylônes, allez hop. Je sais pas si je peux encore augmenter la population maximum. Voilà. Et voilà. Alors, ça, il y a trois trucs. Toi, il y en a un ici. Ah, pour le coup, il n'y en a pas du tout ici. Ça. Allez hop. Comme ça, ils auront de quoi. Oh, pff, des Ultra X par milliers, quoi. On en est qu'à là, quoi. Oh. Tac. Non, par contre. Tu vas faire ça ici.
Allez hop. Attends, attention. Il s'est fait pulvériser le truc. Par contre après c'est vrai que les chargeurs de boucliers se concentrent aussi sur les petites bestioles à la con. Sans vouloir les offenser, évidemment. Les estampillés noirs dans cette mission là, dans une mission de défense. Oula! Oh oh. Par les dieux, je n'ai jamais vu une telle abomination. Ouais, même moi non plus. Concentrez vos tirs sur les hybrides. Le temple doit être défendu. Je suis d'accord. Tac. Voilà, tu vas faire ça et ensuite. Du coup, mais oui, j'ai aucune défense moi. Allez hop, par là. Il a l'air de faire super mal en plus ce con. Tac, je te mets ça ici. Ça, les charges de bouclier tiennent bien là. T'as, heureusement que je suis quand même dans cette difficulté là. Hein. Tac, attends-toi. On va refaire un ici. Parce que c'est quand même de la gueule là, tu mets deux monolithes sur chaque côté. Là, il y en a pas du tout. Attends-toi. Viens ici. Voilà, ensuite tu vas revenir ici. Tu vas venir continuer ta tâche. Toi, tu vas faire le monolithe ici, tu vas faire une petite tourelle ici et une petite tourelle ici. Même si cette tourelle-là pourra pas attaquer grand-chose au final, au moins elle sera là quand il y aura plein de petites bestioles à la con qui viendront. Et du coup, voilà. Ça va, ça gère ici. Voilà, vous placez. Détruisez ces conneries. Mais par contre, laissez les tourelles faire leur travail. Putain, les monolithes ils sont ultra stylés quoi. Attention, splash. Bon, on va falloir tenir jusqu'à 1,8. Ah, pour une fois, il y a une mission qui va durer longtemps. Tac, du coup, bah allez hop, c'est parti. Alors j'en profite hein, des unités et tout. Regarde, pop 200 millions. 200. Donc, du coup, j'ai largement le temps de monter une petite armée. Tac. Toi du coup ensuite tu vas monter ici. Allez, j'ai des minerais. Je n'ai jamais vu autant de zergs. Est-ce là la menace que ma mère dut affronter jadis? Non, matriarche. Cette menace-ci est bien. Ouais, je pense ouais. Et nous allons devoir tout donner pour lui résister. Par contre, je suis con, j'ai l'espace que j'ai prévu pour les pour les pylônes et enfin pour les Attends, tu viens ici. L'emplacement que j'ai prévu pour ça. Concentrer les tirs sur les. Celui-là, allez hop, regardez. Attention, bleu. Ouais, ça va. Par contre, c'est vrai que ça met du temps à tirer. Désactivation. Top, tac. D'accord, je sais pas ce que t'as essayé de faire toi, mais. T'étais courageux. Complètement stupide, mais. Oh, ça marche pour les deux. Ah merde, j'ai pas assez de place ici. Ok, on va faire ça ici. Tu vas faire un autre monolithe ici. Parce que je fais des monolithes partout parce que c'est stylé. Toi, tu vas faire ça ici. Ici. Et après, je pense que j'aurai ouvert toute la zone. Toi, on améliore les boucliers, même si pour le coup, c'est pas ce qui. Putain, des. Ah, c'est vrai que ça manque de monolithes ici. J'ai quoi qu'oublié, j'ai commencé à prévoir ça. Par contre, évite de rester coincé. Ah merde, il est resté coincé. Il est complètement resté coincé ce con. Tac. Là, d'ici pourra toucher des unités. Chouette. Et avec, pourquoi pas, une petite tourelle à photon pour avoir une attaque un petit peu rapide. Ah merde, je suis passé pour une deuxième, tant pis. Tac. Voilà, bon. J'aimerais bien pouvoir zoomer un peu plus loin, par contre. Ah putain, mais j'ai plein de sondes ici en fait. Les mecs, ils retournent bosser. Toi, il y a combien. Ah putain, j'ai trop de minerais, j'ai trop d'ouvriers. Ah, mais ils sont tous ici, il y a pas qui sont ici. D'accord, allez hop. Vous pouvez travailler là-bas. T'inquiète, je gère. Enfin, j'espère. Ouais, c'est bon.
Ah, il faut quand même aller à... Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, par contre, ça, c'était pas prévu. Ta 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 ta. Ah bah, il est mort. Ok, d'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Par contre, j'aime pas trop leur avancée, donc si on pouvait faire ça, 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 et ça, et ça. Voir ce que ça, ce qui se passe en fait. Voilà. Donc ça, après. Normalement. Il y a des trucs qui vont se retirer. Il y a le mucus qui va se retirer, et s'il n'y a plus de mucus, théoriquement, ces trucs-là explosent. Mais quoique, attendez, mais je suis con. On va s'amuser un petit peu. Merde, sanctuaire noir. Putain, je suis con. C'est vrai que j'ai mis ça de côté, donc pour le coup, je me fais un petit peu baiser sur ce coup-là. Voilà. Attention. Bleu. Et il faut quand même mal au bouclier, c'est con. Voilà, donc s'ils avancent trop, ils rencontreront deux unités, donc ça va. Par contre, ah oui, c'est vrai que j'ai encore... L'heure approche, guerrier. Le temple se rétablit. Il sera bientôt prêt. Il attend en fait un milliard de zergs, je pense. J'ai découvert une réserve de solarite sous le temple Xel'Naga. Si nous tenons assez longtemps, je devrais pouvoir la récupérer. Ok. Commencez le processus de récupération, Karax. Nous tiendrons le temple aussi longtemps que possible. Ok, bah... Nouvelle... Restez à 1,5 milliard de zergs, d'accord. De toute façon, notre but, c'est 1,8 milliard, je crois. Ah, pour une fois, un épisode... 1,8, ouais. Pour une fois, l'épisode a duré plus longtemps que prévu. Ah, c'est chouette dans un sens, parce que ça me manquait un petit peu, ce genre d'épisode comme ça. En même temps, c'est vrai que ça peut être lourd à regarder. Merde. Tac. Allez hop, on tient. Voilà, j'ai quand même pas mal d'unités des Templiers Noirs là qui nettoient un peu. Attention. Zbleu, zbleu. Eh, mais il m'attaque vraiment partout en fait, ces saloperies. Oula. Ah, les saloperies. Tac, 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 tac. Mettez-vous en stationnement un peu partout. Et vous, attends, on va se faire un petit peu plaisir. Hein, genre je me fais attaquer. Attention. Regardez, attendez. Zbleu. Ah putain, mais il en vient de partout, ces saloperies, quoi. Ouais. Allez-y. Faites-vous plaisir, les mecs. D, allez hop. Je suis complètement con là, ça va exploser. Ah merde. Salaud, fuyez vite. Courage, fuyons. Voilà. D'où tu me touches comme ça? Ah, limite de ravitaillement. Ouais, par contre, oui, ils ont beau être invisibles, une fois qu'un chancre explose au corps à corps, bah ça explose, oui. Allez hop, vous, faites un peu de nettoyage. Allez, comment je fais les blocs? Putain, mais j'imagine s'ils se baladent tout en mode c'est bon, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Par contre, concentrez vos tirs sur celui-là. Après, il va se faire détruire, voilà. Ah putain, c'est... Saloperie, quoi. Attends, c'est limite, je peux les accueillir dès le début, en fait. Ah putain, quoi. Ils ont des bonnes unités de siège, les salauds. Le temple fourmille d'énergie. Il est prêt. Toi, tu vas te placer ici. Est en cours de transbordement. Il faut tenir juste encore un peu. Ouais. Donc, 1 milliard, c'est bon, on a fait plus de la moitié. On a fait plus de la moitié, allez, on courage. Oh putain, oh, j'adore. Voilà. Et rechargez votre truc, merde. Trop tard.
Ouais, j'aimerais bien. C'est dommage qu'on peut pas définir un ordre de priorité pour les. Non, non, concentrez-vous sur ça, ça et ça. Putain, j'en ai. Ah, j'en ai que 3 ici. Du coup. Allez, plus de monolithes! Ça me rappelle les obélisques de. Dans Alerte Rouge. Quand on allait les. Enfin, en fait, c'est des obélisques qui étaient pure énergie, donc ils consommaient pas mal de. D'énergie pour le coup. Allez, go go! Vous rentrez. Oula, c'est quoi ça? Viens, toi, tu meurs, toi. Voilà, ça c'est fait. Bon, allez, on tient. On ne perd pas courage. Du coup, qu'est-ce que je peux balancer d'autre quoi? Ouais, je crois que j'ai fait trop de tours à la photon par ici. Ah non, on s'avance pas plus, les mecs. Hein. Attention. Kaki Pushino Jutsu. Voilà. Mais. C'était plus spectaculaire la dernière fois que j'ai fait ça. On détruit ça et on se casse. On s'éloigne un petit peu. Allez, me concentrer les tirs sur les gros là. C'est les gros qui sont les plus dangereux au final. Zzz, bleu. Voilà, vous arrivez. Voilà, t'as eu le temps de faire popper juste un petit zergling de merde. Ah merde, ils sont détectés. Fuyez. Cours pour la France, cours. Alors là, ils attaquent avec des gros trucs par contre. Spleu. Regardez, ils attaquent avec des hybrides volants plus des gros, enfin plus des unités volantes en fait. Voilà, c'est que des unités volantes en gros. Ça, ils envoient plein de trucs à la con, je crois. Là, ils envoient plein de hybrides, des gros hybrides de bâtards. Donc du coup, je préconise. Voilà. Je préconise faire une armure de protection. Toi, tu dégages, toi. Non, mais où, pour qui se prend? Et donc là, c'est grosse unité. Là, ils attaquent avec des petites unités et tout, enfin des unités de Zerg de base. Là, c'est. D'accord. Là, c'est gros hybrides. Là, c'est des unités. Bah, des unités de Zerg aussi, de base. Oh putain, quoi. Et là, c'est des trucs volants. Donc, ça, c'est un des trucs qui fait le plus peur en fait. Non, non, par contre, concentre-toi sur celui-là. Bon, on est pas au maximum, mais presque. Et là, on est à 1,4 milliard. Bon, c'est bon, on va gérer, je pense. Oh, non, pas appuyer sur surcharger la tempête. Tac, 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 tac. Attention, spleu. Ok, je sais que je peux compter sur ça pour le coup. Voilà, on les laisse s'avancer, regarde, on les laisse s'avancer. Et bleu. Go! Ah, il y a plus beaucoup de débris de là volant. Oula, par contre ça. Tac, ça. Alors, tac. Donc, par contre, vous gênez un peu. En fait, les centurions, cassez-vous. Vous servez à rien ici. Allez plutôt aider vos copains du sud. Ah, ils ont détruit une tourelle. Par contre, on se casse. La défense! Go! S. Ça y est. Le transfert de la Solarite à bord de la lance d'Adoun est un succès. C'est pas assez! C'est pas assez! Putain, je reçois des messages et tout. Pas moi, me déconcentrer! Allez, on focus ça. M'en fous, putain, mais je suis con. Pom 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 pom. Allez hop. Là ça tient, allez.
Je demande s'ils ont pas vraiment des attaques de zone ces trucs là. Attaquez, attaquez. Oh putain. Oh putain. Ah ouais, vous voulez qu'on tienne du... Vous voulez qu'on tienne et tout. C'est parti. Faites popper la chair à canon. This is... Ayur. Ayur plutôt, mais bon. C'est un U donc Ayur. Putain, ils ont détruit toutes mes... Oh les salauds. Allez. Par contre... Ouais, c'est pour ça que j'avais peur de ce passage là, mais c'est normal. Putain, ils vont détruire un truc. Et mourrez. Allez, attends, on va les obliger à avancer un petit peu. Allez hop. Regardez, on tient, allez hop, on tient. Ouh, lolo, c'est quoi cette armée? 1,6 milliard, ah oh, putain, allez, faut tenir. Tac. Putain, mais on a pris ultra cher. Y'a pas un drone qui traîne? Allez hop. Toi. J'aurais dû faire ça depuis longtemps en fait. Faire des trucs partout. Ah ouais, on se la pète. Attention. On a fait un petit peu de nettoyage. Allez, go, éloignez-vous, attirez-les dans le piège. Bon, vous allez mourir par contre. Bon, ok, là ça va. De ce côté-là, ils arrivent à tenir encore. Par contre, c'est ce côté-là que ça va chier. Centurion, qu'est-ce que tu fous là? Ta tête, toi, t'es paumé. What? Il se fout. This is Protoss! Hâte là, reprenez ça vite fait. Putain, j'ai totalement négligé un truc, un côté. Tibili! Voilà, vous, allez hop, aussi. Oh putain. Ah c'est bon, j'ai fait les 8 milliards. Là, 1,8 milliard. Allez, je m'en fous, on tient. On tient jusqu'au bout. Tant pis si cet épisode a duré 40 minutes, allez. C'est parti, défendez pour Chakuras. Putain, mais ils sont tout dévastés par ici, quoi. Ça, c'est tout ce que t'as trop à dire. Notre pylône subit une attaque, mec. Notre pylône subit une attaque. Allez, attaquez celui-là. Putain, ils ont dévasté tous les... Oh ah non, il reste encore des zélotes. Oh, c'était Carnage. Ah ouais, Carnage. C'est mon deuxième prénom. Allez hop. Bon allez. On surcharge la tempête, c'est foutu. 1,9 quand même. On a quand même tenu pas mal de temps. Ah bordel quoi. Ouais, pour le coup. Oui, mais ça va péter. Gardez la foi, matriarche. Votre peuple disparu crie vengeance. Et il va l'obtenir. Oh putain, le merdier cette mission, quoi.
putain, le coup d'explosion super stylé à la fin, genre Artanis qui est en mode, rien à péter. Et là, pfiouf. Ah putain, super stylé. 1,9. Oh, putain. On était presque du 2 milliards quand même, hein. C'était pas mal. Bon, du coup, on a obtenu le monolithe Kaïdarin, qui est du coup stylé, et j'ai réussi tous les hauts faits. Ça fait au plaisir, au plaisir. On a tout nettoyé dans cette mission. Ah, franchement, cette mission, et surtout le. Putain, Artanis, il est super puissant. Bon, bref, je sais pas s'ils vont pouvoir dire la même chose sur Heroes of the Storm, parce que oui, il est disponible, enfin, il est en tant que héros sur Heroes of the Storm. Il fait beaucoup moins puissant que ça, mais quand même, quoi. Il a de la gueule. Alors, nouvelle conversation, non, y'a rien. Je peine à croire que vous ayez survécu à ce combat dans le temple, Hiérarch. Disposiez-vous d'améliorations dont j'ignorais l'existence? Il était en mode cinématique, c'est normal. En mode cinématique, t'es invincible. Enfin, la plupart du temps. Alors, il reste plus que 10. Ah putain, j'avais pas eu avec cette mission. Enfin, j'en ai pas eu en réussissant la mission, fait chier. Du coup, attends, si je réduis ça. Transfert rapidement d'un pylône ainsi que de guerriers de mêlée. Sinon, je peux avoir les deux. Créer 3 champs temporaires qui fichent les unités et bâtiments ennemis pendant. Est-ce que je reste là-dessus ou est-ce que je tente. Allez, on va tenter celui-là. Ok, c'est tout. D'accord. Voilà. Nouvelle conversation disponible. Salut ma belle. Les Nerazim se sont battus vaillamment à nos côtés. Jusqu'à la destruction de leur monde. Pourquoi? Leur berceau a toujours été ailleurs. Ils ne l'ont jamais oublié. Pas plus que le sacrifice qui les a mis à l'abri du danger. Vous parlez d'Adun. Ainsi parla le judicateur Zenteon. Adun n'a pas réussi à éradiquer les tribus non alignées. Ceux qui s'appelaient les Templiers Noirs. Nous avons assisté à l'explosion de l'étoile du crépuscule. À cet instant, marqué par la traîtrise, Adun scella le destin des hérétiques, en même temps que le sien, en purifiant ailleurs de leurs souillures, mais en leur permettant de vivre. La traîtrise? Adun a préféré faire œuvre de pitié plutôt que de commettre un génocide. Son geste était noble, conservatrice. Vraiment? Pourtant, je vois l'histoire par les yeux de ceux qui l'ont vécu, Artanis. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous refusez de voir ce qui vous entoure. La vérité historique n'est jamais comprise que rétroactivement, au vu des conséquences que cette histoire a laissées. En tant que conservatrice, l'histoire est pour moi une matière vivante, transmise dans les pensées et les émotions de ceux qui en ont fait l'expérience. Peut-être devrais-je envisager de la voir à votre manière. Ouais, ça, en même temps, à force d'être lié au Calais et tout, bah, au final, t'évites de. Enfin, surtout pour une grande conservatrice, je pense que tu regardes pas ce qui se passe autour, comme c'est bien dit Artanis. C'est assez stylé. Console d'affectation. Donc, pour ça. Pour la prochaine mission. Bah, pour le coup, on va se diriger vers. Vers Corail si on a tout détruit ici. Bah, pour la prochaine mission, on pourra tester les Vengeurs. Et là, on se mettra en mode. Ailleurs. Parce que au final, ils sont plus stylés ceux-là, quand même, les Azelotes. Par contre, les dragons, Ah, je pense qu'on va quand même préférer les trackers. Ah, quoi, ça dépend de ce qui se passe dans la prochaine mission. Tac. Saluti! Enarudin, Shakuras. Tout pareil. Allez. Shakuras a disparu. Elle a rejoint la nuit éternelle. Mais les traditions que nous y avons forgées vivront à jamais en nous. Est-ce encore possible, matriarche? Peut-être davantage que vous ne le pensez. Que savez-vous de la marche de l'ombre, Artanis? Très peu de choses. Vos semblables ne font pas étalage de leurs coutumes. C'est notre rite initiatique le plus sacré. Le candidat à l'initiation le traverse seul. Des membres de sa tribu l'attaquent depuis les ombres. Si l'impétrant survit, il devient un chasseur de l'ombre, un véritable Templier Noir. Pourquoi me parlez-vous de cela? Vous marchez seul. Tel un Templier Noir, face à d'innombrables ennemis, risquant votre vie pour la multitude. Vous avez marché comme nous l'avons fait. Vous avez déjà réussi le rite de la marche de l'ombre, Artanis. Vous n'avez plus le Kala. Vous êtes un Templier Noir. Tu es parmi nous maintenant, moi. Ouais, du coup, aussi, il y a un truc que je me suis demandé, c'est... c'est ici. Ça va être quoi, les deux autres... Enfin, l'autre truc. Parce que les seuls autres protos que je connais, c'est les Tal'Darim. Or les Tal'Darim, c'est, enfin, je crois que c'est des méchants normalement. C'est bien les protos qui servaient à Amon directement. Voilà, je suis pas sûr et tout, donc
Voilà, terminer plus de missions pour débloquer cette option. J'ai hâte de voir ce que c'est. Donc, et bien sur ce, bah, j'espère que cet épisode... Beaucoup de mes Templiers noirs se sont portés volontaires pour être nos éclaireurs. Ils nous permettront de connaître les déplacements d'Amon. Bon, j'espère que cet épisode en longueur vous a plu, parce que moi, bah, franchement, il y avait le suspense, l'action et tout, franchement, j'étais à fond dedans, quoi. Donc, bah, si ça vous a plu, hein, comme classique, hein, petit j'aime, petit pouce vers tout ça, bah, moi, pour le coup, je vais m'arrêter pour cette session-là, parce que j'avoue que ça a duré quand même pas mal de temps, et j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, malheureusement. Donc, du coup, bah, on fera la suite de la campagne dans la prochaine session, donc je pense que pour moi, ça sera genre après-demain. Là, je suis en train de tourner le lundi. Je pense que c'est peut-être le mercredi que je tournerai à la suite. Voilà, voilà. Et ben, sinon, sur ce, tout ce que je vous dis, c'est à plus, tout ça, tout ça. We'll be right back.